Salut YouTube, on est de retour sur Metroid Prime 3. On va essayer de retrouver notre chemin parce que hier on a arrêté sur un gros fail. On est tombé et après on peut pas remonter. Ça nous a pas fait rire. Ça nous a pas fait beaucoup rire, hein. Mais bon, on va s'en sortir. J'espère qu'il faut pas repasser par tout le chemin avec les Metroids là. Parce que quoi? Da 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 da. Alors, nous revoilà. Donc, attendez. Que je dise pas de conneries. Il faut que je retourne là, mais il faut que j'arrive là, en fait, vous voyez? D'accord. Et donc pour arriver là, il faut forcément que j'aille là. Et pour arriver là, il faut que j'aille là. Ok. Mais pour arriver là, il faut que je sais pas quoi en fait. Faut que j'aille là. Et pour aller là, il faut que j'aille là. Et pour aller là, il faut que je sorte. À moins que... Ah non, regardez. Là, si je ressors et si je monte... Si je monte, c'est ok. Là, je sors de la sauvegarde, je vais à gauche. Si je peux, remarque. Non mais je vais te le trouver ton deuxième composant de la bombe, c'est bon. Il est à côté, je suis à côté mais je sais pas comment y aller. Arrête un peu. Attendez, j'augmente le son. Je peux pas descendre. Attendez, je peux pas descendre. Merde. Ok, bon. Toujours les chargements qui prennent trop de temps, évidemment. Donc j'arrive là. Ah, je suis en dessous. En plus, c'était une connerie parce qu'il faut que j'aille là. Fallait que je monte. Non.
alors faut que j'attende que ce soit là, voilà. Ah mais non, en plus je pouvais y aller direct. Bah oui, je peux pas aller en tout en haut direct, merde. Bon bah dommage. Mais là normalement maintenant... Je vais pouvoir monter direct, c'est ça? C'est ça, maintenant j'ai l'ascenseur. Qui est au fond, ok. Et bah tout ça pour ça, tout ça parce que juste je suis tombé quoi. Ouais non c'est pas grave. Barrez-vous les métros. Merde, ah oui non, bah non. C'est sans compter, ah non c'est bon. J'allais dire sans compter le fait que... Jamais la porte s'ouvrira à temps, mais si. Ok. Nous revoilà de nouveau au bon étage. Et barre. Donc. Là. Je vais ici. Et là, je fais pas le con cette fois-ci. Regardez, je fais pas le con. Là, je me transforme. Voilà. Et là, je prends ça. Ah. Voilà. Donc, vous voyez la boulette. La boulette, c'était ça, à la base. C'est que je. Voilà. Je suis passé dans la, par la fenêtre. Et que c'était une connerie. Ensuite. Là j'arrive là. Donc les attaches y sont fixées. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord, il y a des attaches là, il y a des attaches là-haut. Ok, c'est pour ça que la fenêtre est ouverte en fait. Ah, il vient de comprendre. Bah oui, mais si le jeu il nous raconte, si le jeu il nous guide pas à un moment, comment on y arrive? Quoi? Comment ça, non? Merci, ouais. Ok. Mais ça a marché là ou pas? Ah oui. Et donc normalement, maintenant... Quoi? Il y a des fixations partout ou quoi? Enfin, c'est le bordel. C'est le Delbor. Hein. Ok. Comment je fais pour les avoir celles-là? Là c'est pareil, là j'y ai pas accès. Attendez si je suis là, et depuis ici ça marche? Ah ok.
C'est mieux. Ok, bon ça va, ça nous a pas pris trop de temps, je pensais honnêtement que ça allait être plus chiant que ça. Voilà. Heureusement que les enfants sont pas là, hein. Ok. Donc ça c'était le deuxième queutru. Maintenant il faut que je retourne à mon vaisseau. Alors pour retourner au vaisseau... Actuellement inactif, rétablissez. Oh merde. Je sais pas comment j'établis le courant moi là-dedans. Attendez, je suis persuadé que c'est de l'autre côté qu'il faut aller. Hein. Parce que là... Je suis ici, si je vais là... Ouais non, bah ouais non, là ça me met... Là, il y a une porte bleue. Et la porte bleue, ça me mène ici. Non, non plus. Petit canard. Non mais t'as vu la carte? Honnêtement, honnêtement, la carte, c'est quelque chose, non? Oh, faut que je descende, ouais. Oh, faut que je sois en dessous. Et pour être en dessous... Ah, d'accord. Ah, en fait, c'est moi qui ai fait le con. Je pense que j'ai fait le con. Je pense que j'ai fait le con. Donc là, ouais, faut que je ressorte et que je reprenne le toboggan. Ok. Ah mais non, attendez, je peux sauter directement. Ah bah oui, je peux sauter directement, je suis con. Ouais, non, non, ok. C'est pas la carte de Doom Eternal, on est d'accord. Hein. En même temps, aucune carte n'est la carte de Doom Eternal. Il va me pécho, il va me pécho, il va me pécho, il va me pécho. Ouvre-toi! Ouvre-toi! Merci. Et donc là, si je suis pas trop con. Oh là là. Quel génie. Si apparemment la carte de Returnal est aussi bien, voire mieux. Je demande à voir. Et donc en fait, ici il doit y avoir un truc à... Ça c'est pas cassé... Bah voilà! En fait, si j'avais regardé un peu plus près... La petite soudure qui va bien...
Et ça, ça va me rétablir l'ascenseur, en fait, voilà. Aussi, tu demandes à voir, mais faudrait une PS5. Ah là là, mais c'était tellement ça, en fait. C'est moi qui ai fait le con, hein. C'est moi qui ai fait le con sur toute la ligne. Voilà. En fait, c'est, quand je suis passé, j'aurais dû... Ah, et maintenant, il me l'active, évidemment. On peut pas remonter en fait. Là c'est un endroit où on tombe. On peut pas remonter. Putain. T'es à moitié AFK, ok. Et bah à plus tard du coup. Évidemment. Où là ah, je l'ai pas vu venir lui. Des petits bons pour essayer de me rattraper, c'est rigolo. Je suis déjà parti. Tiens, tiens, tiens. Comment je le chope lui? Comment je peux l'attraper lui? Ah 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 ah. Vecteur boule morphing. Ah. Donc c'est pas ça. Là j'en ai un autre. Comment je l'attrape lui? Ha ha ha. Ah oui d'accord, il y a...
donc j'arrive par là, c'est bien. Une fois que je suis ici. Il faut que j'aille en bas. Je remonte là. Oh là là, c'est le bordel. Ah oui, il faut que je remonte. Effectivement. Est-ce que je peux y aller par là? Ah ah ah, je me fais attaquer. Ça m'apprendra à réfléchir là. Ok, il y a le machin, là je m'en rappelle. Pong. Je vais bien au bon endroit. Oui, c'est bon. Oh, le moment de doute là. Ok, bon. On rappelle le vaisseau. Alors ceci, le vaisseau doit larguer la communication qu'il transporte. Voulez-vous continuer? Bah non. Putain. Mais c'est quoi ce merdier? Ah mais oui, mais ça me mène... Oh bah oui, alors oh là là, mais je suis le roi des cons. Oh, je suis le roi des cons. Ah, tout ce temps de gâcher, quoi.
Incroyable tout ce temps de gâché quoi. C'est pas grave. Si un peu quand même mais... Allez, vas-y meurs toi. Mais meurs. À la fin. Mais pourquoi il crève pas? C'est ouf ça. Mais... Meurs. Merci. Oh, si seulement je pouvais monter là. Le temps de gagner que ce serait. Allez. Allez. Voilà. Ah là 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 là, j'ai tellement déconné là. J'ai plus envie d'y revenir ici. Hein. Étonnamment. Attendez, j'ai pas un... Attendez. Non, là, faut que je prenne le bleu. Ouais, après, faut que je prenne le bleu et j'y suis quasiment, quoi. Ok. Tant pis pour la sauvegarde. Ah, il y a un truc là-bas, là. Non, c'est pas un truc. C'est du fake. Merde! Oh là là, le pixel de pas assez. Vous savez, il me manquait un pixel pour arriver sur le bord. Je pensais que c'était ok, mais en fait pas du tout. Vous voyez, hop, là il manquait un pixel. Ok, nous revoilà là. Ah mais merde, il remet son bouclier à chaque fois quoi. Non non mais... Oh là il m'énerve. Vas-y. Vas-y tu m'as saoulé. Et donc là faut que j'aille en bas, puis à droite. Là, faut que je descende, que je prenne l'ascenseur, après je vais... Non. Si. Non. Attendez, là. Voilà, c'est en allant là. Et là, c'est la sortie bleue. Qui est en dessous de la mienne. Qui est en dessous de là où je suis. Non, c'est pas là du tout. Oh merde, je sais pas. Et je suis paumé.
Ça y est, je suis repaumé. Pourquoi j'ai une sortie bleue à ma droite normalement là? J'ai normalement présentement une sortie bleue à ma droite. Ah non. Elle est où alors? Ah, faut que je descende l'orange. Mais si, normalement, j'ai une sortie bleue à ma droite là. M'amène. Il m'amène là où je veux aller. Or là. Ah peut-être là ouais. Ah non, pas du tout. Non mais la map elle est buggée en plus quoi. En vrai la map est full bugged. Non, ok. C'était moi qui étais bugué. Ah! Enfin. Eh bah. J'espère qu'on n'aura rien à aller chercher là, ici. Hein. Parce que j'ai plus jamais envie d'y aller. Hein. Et donc là, normalement, on a la dernière partie qu'il nous faut là. Le dernier morceau, voilà, le dernier morceau, il est là. Il y a un petit truc là aussi. Accès, salle des machines. Salle des machines. Est-ce qu'on va vouloir aller accéder à la salle des machines? Je ne sais pas. Et donc là, faut que je prenne ça. Là, je pourrais aller choper la petite sauvegarde. Puis, vers le machin. Est-ce qu'on peut y aller d'ici? Est-ce que vous pensez que si là, je fais le saut toupie à l'infini, on est bon? Est-ce que je suis en train de me faire éclater là derrière? Alors là, je vais où? Là, je sors. Et donc, pour sortir, c'est la porte. Yes, je suis à l'extérieur. Trop bien. Into machin. Eh, la salle des machines, c'est pas loin, je pense que je vais y faire un petit saut quand même. Là, j'ai juste allé à gauche, là. Eh, franchement, on est vraiment pas loin. C'est le moment ou jamais, hein. Par là, hein.
coup maintenant c'est ici dézoomé là. Et là à gauche. Ah. Le portail doit être alimenté. Mais ai-je vraiment besoin de ça maintenant que je peux... Voilà, et là regardez, hop. Non en fait, il n'y a qu'une certaine distance qu'on peut faire quoi. Et là donc il faut le... Ouais. Il faut la boule araignée pour là. Ok. Ensuite, une fois que je suis là. Là, je vais tout droit. Tant pis pour la sauvegarde. Je sens que je vais regretter. What? Mais là je peux le faire avec avec mon tourbillon là. J'ai pas de... Bah non. Ils me l'ont pété ou quoi? Le tourbillon. Bon là pareil, il me faudra le... la boule araignée. Ok, et maintenant que je suis là... Donc j'essaie d'aller tout droit. Donc là paf paf, je remonte et puis paf. Tiens tiens. Merde, à côté. Non. Non. C'est chiant. C'est chiant. Je me rappelle la première fois que je l'ai fait celui-là. Hein. C'est déjà chiant. Y'a un truc en face là que je peux récupérer, bah voilà. Oui. Ah.
Ah oui, merde, d'accord. Okay. Ah oui, faut la... d'accord, faut la boule araignée, merde, je suis con. J'avais pas pigé. Ah, faut que je refasse ça. Ok, donc il me faudra la boule araignée. Que je n'ai pas encore. Ça c'est... Il faut, faut comme... Non mais voilà, non, ça, ça, non. Hop. Ah merci. Hop là. C'est bon, je me casse. Allez. Allez. Merci beaucoup. Ah merde, c'était pas ça que je voulais faire. Non. Oh, dites-moi que je peux revenir. C'était pas là, hein. Et voilà, ça, ça m'a fait... ça m'a fait passer l'endroit que, où je voulais aller, justement. Prenez, on y est, là. Ah ouais. Ah... Oh... D'accord. Ça y est, c'était donc ça. C'était donc ça. Mais ils me font les pipiou là. Vous allez vous arrêter vous? Ils ont pris feu, regardez. Trop mignon. GG, t'es sur la fin du jeu, non? Non, je suis pas du tout sur la fin. Ah, malheureusement, je suis pas du tout sur la fin. Je crois que je suis à la moitié. Hein. Je dois être à la moitié, un truc dans le genre. Et hop, la grosse bebon sa mère. Oh, le boss, ça va sûrement être sa muse sombre, hein, évidemment. J'imagine. Pas à dire, elles ont de la gueule leur bombe thermonucléaire. Hein. Malheureusement, bah tant mieux, non? Non, je voulais dire malheureusement si tu veux, si t'attends la fin, c'est pas tout de suite quoi. Alors, attendez, je suis là. Faut que je retourne. Ah oui, d'accord, c'est, bah, c'est à côté. En plus, c'est bien, je vais à la sauvegarde comme ça. Nickel. Trop bien. Ah non, parce que la sauvegarde, elle est là. Ah, la sauvegarde, elle est en face. En plus, je peux passer le truc merdique. Non. 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 C'est bon. Aïe. Ah, je vais pouvoir débloquer celui-là. Ouais, vous voyez qui est le même mais dans l'autre sens. So, let's go to the sauvegarde.
Alors un peu malheureusement, parce que malheureusement, on va encore devoir se taper les ouvertures de portes qui durent 12 plombes. Un paquet de temps. Il y a mon lave-vaisselle qui fait du bruit. Je pense qu'il y a un truc qui s'est pété la gueule et du coup qui tape dans le... dans l'hélice. Plong. J'adore. Oh, ça ramouille. Oh, ça ramouille tellement. Of our plan, j'aime bien quand il dit our plan alors que j'ai absolument rien dit du tout. Et que c'est Motherbrain là qui... c'est Motherbrain là qui fait tout quoi. Et je sens bien que je vais me faire... je vais me faire avoir. Je sens bien qu'il va y avoir retournement de situation. Hop hop. The Theronium bomb is primed and ready. Excellent work, Samus. To drop the bomb onto the Leviathan shield, you must move the bomb pod directly over the Leviathan and shut down the pod's engine. This must be done manually. This is a dangerous mission. Will you accept it? Thank you. Initiating Skytown migration. Je vois pas pourquoi j'aurais pas accepté, mais... Vous imaginez l'énergie pour la... We will move the Skytown facility as close as possible to the Leviathan shield and then deploy the bomb pod. Coucou Silent Genius. Do you understand what you are supposed to do? After shutting off the engines, use the escape capsule to return here. Skytown migration complete. You must now proceed to the bomb pod. We will release the cables once you're in position. We regret this mission places you in mortal danger, but there are no other options. Good luck. Tu as loupé un truc ce matin, Genius? Enfin, du coup, moi ça va, déjà. J'espère que toi aussi. Tu as loupé un truc. Exactement, j'ai fini Bosé.
Je sais plus qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Tu dormais, ah ouais. Pourquoi ça hein? Zemus, we are sensing a large number of enemy units in your vicinity. The pirates must have detected your movement toward the seed. If the spire is destroyed before reaching the impact site, you must defend the spire at all. Use everything in your power to ensure a safe path. Ça y est, il y a les relous qui arrivent. Mais reste là. Non mais... C'est de la merde. Pas eux, pas eux, pas eux. Ils sont chiants. Mais pourquoi il prend pas les bombes lui? Ah merde quoi. Attendez, hop. Est-ce que je peux faire ça? Oh oui. Oh. Oh il a pris cher. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, des ennemis. Voilà ce qui se passe. On me tire dessus. Qui me tire dessus? Aïe. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que quoi? Qui tire sur la flèche? Ouf, pourquoi? Là-bas, 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 là-bas. Avgalette, Avgalette. Allez, pan! Pan les vilains! Grosse semaine fatigante passée. Demain, je commence la semaine par un déplacement à Lyon. Oh là là! J'ai un TGV depuis Paris à 6h44. Ouch! J'ai mal pour toi. Terminal de contrôle des moteurs et des systèmes d'évacuation de la capsule. Utilise-eux pour éteindre les moteurs.
emergency escape pod. Scuttle sequence commencing. 5 minutes until engine shutdown. Escape pod malfunction. Opening repair access door. Heureusement que j'avais mon fer à souder, hein. Engine shutdown in 4 minutes. Il pourrait être arraché si on tire avec suffisamment de force, ok. Heureusement que Samus avait pensé à son fer à souder, vraiment. Sinon c'était la décédence, hein. Parce que j'ai pas scanné ça. J'ai pas scanné les trucs. Je veux scanner les trucs, moi. Ça, il semble fragile. Ah! Mais... Oh là là, c'est chiant quand ça fait ça, bordel. Vous m'excuserez de ne pas venir jouer avec vous ce soir du coup. Ah oui, pas de soucis. Ah, attendez, regardez ça, c'est pas... J'ai pas scanné ça. Attendez, j'ai pas scanné. J'imagine Samus. Ah, je suis sur le point de mourir. Ah non, j'ai pas scanné le truc là. Oh, regardez comment c'est classe. Il y a le machin dans le jeu, quoi, carrément. Le timer dans le jeu. Elle est priorité de Samus, hein. Oh non, s'il faut que je tire sur quelque chose, ça va pas marcher, hein. Ça a marché pour une fois. Oh, pour une fois, ça a marché. Là, ça marche pas. Oh, c'est bon, on avait du temps. Et là, la faune et la flore. Au revoir, la faune et la flore. Au revoir. On a tout anéanti sur la planète. Bravo. Bravo. Elle s'en fout complètement. Hein. Vraiment, Samus, c'est vraiment le truc. La fin justifie les moyens, quoi. C'est vraiment ça, mais 100%, quoi. Da 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 da. The plan worked. The bomb's impact resulted in the destruction. Je peux détruire la grégraine maintenant.
et j'arrive là. Et à gauche, je crois que c'est à gauche où je peux retourner. Voilà, à gauche, je peux retourner à mon vaisseau. Ouais. Il me semble bien que c'était ça. Ouais. C'est chiant ou pas? Bon, c'est chiant pour moi, donc je vais arrêter. Mon vaisseau. C'est quoi la prochaine figurine? Bah je sais pas. Je vais faire ma petite tête triste et puis je vais demander ça à Noël. Samus. Putain, y a pas du Samus. Oh. Ça serait classe une petite Samus, non? Ça m'étonnerait qu'hier, mais... En même temps, ouais, attends, attends, Genius, regarde, aussi. Ça, c'est tout ce qui me reste. De Bowser, et aussi de... Alors, beaucoup de Bowser, mais de Mario et Yoshi aussi. Donc c'est toutes les pièces, là, qui, tu vois, qu'il y avait en trop. Là, ils avaient mis un tas de pièces en trop. C'était juste... autant sur Mario et Yoshi, bon, voilà, il y en avait quelques-unes, quoi. Mais là, ah ouais, non, il y avait beaucoup de pièces en plus, là, sur celui-là. Mais genre, vraiment beaucoup. J'y suis déjà allé. Ah non, c'est, d'accord, c'est un autre. Ah oui, ça ressemble, d'accord. Toutes les graines se ressemblent, quoi. Par contre. Ou alors, c'est que l'arrivée qui est similaire, mais... Et ça ressemble quand même beaucoup à la première graine, quoi. T'es sûr d'avoir tout mis? Maintenant que tu le dis, c'est vrai que quand je l'ai posé, il s'est complètement détruit. Mais mais peut-être que... Non, je sais pas. Ah oui, puis après c'est vrai, hop. Alors, qu'est-ce que ça va t'y être cette fois-ci? Vaut mieux en plus, plutôt qu'il manque un orteil. Et il a failli, on a failli avoir un orteil qui manque quand même. Helios. Utilise des robots meutes pour former une boule d'énergie à grande vitesse. Évitez tout contact. Ah oui, d'accord. Et donc le premier truc que je fais, c'est quoi? C'est que je me fous dedans, quoi. Ah bah oui, ah bah d'accord. C'est quoi ce merdier? Attendez.
Enfin, je crois savoir. I think I know. Attendez, il y a des trucs là-haut, ouais. Attendez. J'ai déjà pris la moitié de, de ma vie, hein, quand même. Hein. Bon, plus que 10 nouveaux followers sur ma chaîne et je lance un live. T'es à combien actuellement là? Fournis à chaque meute une attaque puissante, surcharger leur énergie pour les endommager. Voilà, ok. Faut que j'y aille. À grand coup de phason quoi. J'attends. Allez, go! Je sais pas. Je lui ai fait zéro dégâts. Lui, il m'a défoncé. Je lui ai fait zéro dégâts. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non mais... Voilà. Oh, il me reste un point. Attendez. C'est ça ou pas qu'il faut faire?
J'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Hein. On va essayer de crever. Ah bah on peut pas crever. Dommage. Aïe! Comme d'hab, hein, les boss de Metroid. Hein. Comme d'hab. Je les comprendrai jamais. Aïe. Mais j'ai plus d'énergie en fait. Il se passe quoi? T'es à 40. Oh là là, c'est ouf. Allez, meurs. Ouais, voilà. Bon, je sais pas ce qu'il faut faire. Voilà. Comme d'hab. Comme d'hab, les boss de Metroid. Hein, vraiment, c'est... Si vous avez compris, vous... qu'est-ce que je dois faire? N'hésitez pas à le mettre dans le chat. Faut surcharger, mais j'ai pas compris. Je vais regarder... Là, je veux... avant de m'énerver... Enfin, avant d'y passer des heures, en fait, ça m'énerve pas, mais c'est juste chiant. Helios. Metroid... Oh putain, faut se retaper la cinématique à chaque fois. Metroid Prime 3.
Le guide des boss, tiens. Alors, Helios. Pardon. Gore. Helios. Le principe du boss. Un petit boss bien sympa. La méthode est très simple. Il suffit de tirer jusqu'à l'étourdir, puis envoyer l'hyper mode. La méthode pour le battre. Attendez. Je mets en pause. La méthode pour le battre. Vu que le set d'attaque d'Helios est varié, allons-y pour une petite explication de comment réagir dans chaque cas. Quand il se transforme en tornade, utilisez l'hyperboule pour l'étourdir. Il se transforme en tornade. Je ne l'ai pas. Quand il aligne des oiseaux en cercle qui tournent autour de lui, guettez le moment où les 5 serres apparaissent pour les détruire avec les missiles à tête chercheuse. Ah, les têtes chercheuses, ok. Lorsqu'il crée plein d'essaims d'oiseaux, arrêtez de bouger, enlevez le verrouillage, c'est plus simple, et explosez au rayon chargé chaque essaim qui commence à se créer une boule d'énergie. Le tout est de garder le rythme. Lorsqu'il fait une sphère complète d'oiseaux, essayez de tout de même de tirer dans le tas. Avec de la chance, vous pouvez le toucher. D'accord, ok. Attendez, la tornade, je vois pas ce que c'est du coup, la tornade. Mais d'accord, quand il y a ceux qui tournent... Donc j'ai pas besoin de l'hyper mode, sauf quand je veux lui casser la gueule. Voilà, désolé pour le vomi, hein. Mais c'est la Wiimote, hein. C'est... dès qu'on essaie de se remettre bien avec la Wiimote, hein, on était sur la même page, ouais. Quoi? Mais non! Oh là, mais... Une fois sur deux, ça marche pas. Hein. Est-ce qu'il faut que je le rescanne? Non, c'est bon. Je suis resté en plein milieu. Hein. Ça lui fait un peu de dégâts ça ou pas? Ah, et là je charge. Ah oui, ok, alors là c'est... Merde! Mais c'est barré ce con! C'est dégueulasse! Merde. Merde. Ouais, bon, effectivement,
Effectivement, quand on sait comment le buter, tout de suite ça va plus vite. Hein. Ah oui, d'accord. Non. Ok, il fait mal ce con. Merde, marche pas. Il n'est pas encore étourdi. Là il va être étourdi. Ah non! Coucou Blacky! Merde, j'ai loupé. Ah, je vais me faire toucher. Allez. Boum. Tu dégages. Oh. Ah, la pauvre Samus quoi. Qu'est-ce qu'il y a à prendre dans la tronche à chaque fois hein? C'est quoi? L'hypermissile. Waouh. Pat 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 pat. Allô? Houston? Je suis toute bleue. Na 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 na. Appuyez sur bas en hyper mode pour tirer. C'est dégueulasse. Ça a l'air de faire assez mal ça, non? C'est des petits tirs qui ont l'air de faire mal, non?
C'est dégueulasse. Piou piou. Ah, je suis un noyau et je... Aïe, je sais pas quoi dire. Ah. Oh, oh là là. Oh là là, le petit truc stylé quoi de... Je regarde pas. J'ai pas besoin de regarder, je me retourne. Ça explose derrière moi, mais c'est pas grave, j'avance. Ah là là. Mais c'est vraiment des kékés chez Nintendo, hein. Merci. Merci. Merde. C'est pas une capsule de communication, c'est un suppositoire. Analysis has uncovered a message from Gandreda, sent while she was searching for the pirate homeworld. Ah, attendez, le scanner... Attendez, faut que je comprenne. Faut que je comprenne pourquoi le scanner, là, il ralentit quand on passe sur son cul. Regardez, hop, ça passe sur son cul, paf, ça ralentit. Vous voyez, un peu la tête aussi, regardez. Ah, à la tête un peu, mais... Ah, pourquoi ? This is her last message right before. To our surprise, the message indicates that a Leviathan has also impacted the pirate homeworld, which suggests that pirates are now enhancing their military forces with Phazon. Worse, the corruption appears to be spreading very quickly. It's as if the planet itself is transforming into pure Phazon. Left unchecked, this corruption could spread to the entire galaxy. Ce serait grave quand même. Oh, je vais t'aider. Eh bien non, j'irai pas. Je vais faire ma mauvaise tête, j'irai pas. M'en fous, j'irai pas. Moi, je vais aller sur Norion. Je sais pas pourquoi, mais... Piou. Est-ce que j'ai récupéré sur Norion les emplacements des... Merde. Des power-up. Ouais, par exemple, là, regardez. Power-up, droit derrière. Bah, y'a les malins. C'est des malins.
Boing. J'adore ce bruit. J'adore ce bruit. Donc. Premier power-up qu'on n'avait pas récupéré, récupéré. Ensuite là-bas, regardez. Si je peux aller à droite, a priori, il y a plein de trucs à droite. Oh là là, il y a plein de trucs, ouais. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va le faire. Et oui. Ah, voilà du matos qui marche bien là. Et du coup, on va peut-être essayer de récupérer des batteries. Vous savez, il faut qu'on récupère des batteries pour alimenter l'autre vaisseau. Et je me demande si c'est pas. Bon, il me parle mal lui. Allez. J'adore. J'adore les... Ah, regardez. Maintenant, nous avons ce qu'il faut pour réparer ça. Là, le mec à côté, il est scié. Oh là là, regardez. Samus, elle sait tout faire. Elle sait même faire de la soudure. Ouais, ouais. Attention, une section de bobine d'énergie chauffée est exposée. Évitez le contact pour ne pas vous blesser. Système de tuyauterie étendu. Impossible d'accéder au tunnel de maintenance. Trouver un autre chemin. D'accord, faut que je commence là et que j'y aille. Hop là. Ben voilà, un autre truc récupéré. Ensuite. Du lore. La cible est décédée, l'armure est couverte de brûlures faites par le phason. Quoi ? Ah merde ! Ouais, oui, bah je comprends mieux, oui. Les crottes de biquette. Il voulait pas mourir. Là y a rien. Là y a une sortie. Et là nous avons quelque chose. Quel est ce quelque chose? Code secret d'accès 28413. Alors 28413.
73. 73 636, 55, parce qu'il n'y a jamais rien pour vous rappeler le truc dans ce jeu de mort là. 14 758. Boum. Fichier de la LG, hein, planète, hein, transféré dans la base de données, ok. Fichier de la LG, Celestus, d'accord. Et transfert des informations des banques de données de la FG vers tous les terminaux d'accès à proximité. Mais merci à toi. Ah! Oups! Merde, verrouillade! Que se passe-t-il? Ah, des petits bondisseurs! Oh là là, ils sont trop mignons! Regardez ça! Regardez ça! Oh, ils sont trop mignons! Bon, arrêtez de me tirer dessus maintenant. T'es trop choupi. T'es trop choupi quand tu fais des petits sauts. Des petits sauts. Je les ai scannés ou pas? Non, je les ai pas scannés encore. Regardez. Fruit d'or utilise ses griffes au combat vulnérable aux attaques à basse température. Ah bah. Allez me le dire. Voilà. Ah, je l'ai scanné ou pas? Non, je l'ai pas scanné. Ils indiquent qu'il y a un lien entre les bioorganismes à proximité et cette masse de phason. Ah bon? Alors là. Attendez! Non, marche pas. Ok, fallait juste. Fallait juste les finir quoi, ok. Terminaux servent à accéder aux infos de vaisseaux de ce site d'atterrissage. Une panne de courant, les... ouais, bon, ils sont cassés, quoi. Les moniteurs sont utilisés pour afficher les infos sur tous les vaisseaux à bord. Ils semblent déconnectés. Ok. Ça marche. Ça va encore loin. J'avais pas l'impression que c'était si grand que ça. Ah bah voilà. Ok. Ah oui, attendez, je peux ramener mon vaisseau ici. Ça marche pas. Faut que ce soit en visée directe, d'accord.
Je vais pouvoir sauvegarder. Malin. Malin. Là il y a un passage, ça c'est quoi? Verrouillé, résiste toutes les armes, impossible d'accéder à cette zone. Ben, regarde voyons, regardez. Il y a un trou de l'autre côté. Coup de bol. Hein. Des pistons. Voici une unité de production et légèreté semble définitivement arrêtée. Wesh. 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 Ah dis donc. Les éléments phason semblent invulnérables. Ouais 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 ouais. C'est quoi qu'est-ce? Non, c'est... Non, c'est... Ah, ça que je veux. Voilà, scan ça. Incubateur métroïde, une fois la tête endommagée, les tentacules peuvent être arrachés. Une fois la tête endommagée, les tentacules peuvent être arrachés. Aïe. Bon, j'ai endommagé la tête, c'est ça le problème. Ah. J'ai bien fait de sauvegarder, hein. Évidemment. Je suis pas encore. Je suis pas. Encore une fois, je ne comprends rien. Je lui fais zéro dégâts, je ne sais pas pourquoi. Tiens. J'ai pas scanné la porte.
Ah d'accord, ça y est, je l'ai. Chiant. Quoi? Ok. Sam il avait pas encore fait le jeu hein. Le coup du vas-y secoue tout en même temps de manière très rapide. Secoue ta zizimote. Oh là là, mais c'est pas vrai! Pourquoi ils nous ont fait ça sur une plateforme nulle là? Et on voit rien, je vois rien. Attendez. Ok. Merde! Ah! Il est où? Voilà. Allez. Allez! On peut pas viser quoi. Ah, j'avais pas vu. Aïe. Merci. Ah bah voilà. Ok, bon. Il est pas content. Il est pas content, j'ai enlevé les tentacles. Par contre, c'est quand que je voilà. Voilà, merci pour le lock. Le lock au bout de 3 heures, c'est gentil. Hein. Franchement, ça me fait plaisir. Non, ça passait à déloquer, bah voilà, je sais pas pourquoi. Ok, encore un. T'as vu, j'ai réussi à comprendre tout seul ce qu'il fallait faire au boss. Hein. Ok, j'ai réussi. Et bah... Oh non, un truc où on va faire ça là-dessus. Vous savez que je suis nul à ça. Pile d'énergie obtenue, 2 piles d'énergie. J'ai comme l'impression que ça va m'être utile. Ah oui, oui, oui. Est-ce que du coup ça me marque comme récupéré? Oui, a priori ça me marque le truc comme récupéré.
C'est pas là? Voilà. Nice. Par contre, est-ce que j'avais d'autres trucs à visiter ici? Ah, j'ai d'autres trucs à récupérer. Par exemple, là, vous voyez, là, là, il y a un truc que j'ai pas chopé. Générateur A. Donc, faut que j'aille au générateur A. Oh là, puis là non plus, là. Là, il y a un million de trucs que j'ai pas récupéré. Ah non, il y en a qu'un, en fait. donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vole ou est-ce que j'y vais à pied? Non, je vais voler jusqu'ici. Je vais récupérer le truc que j'ai pas récupéré. Et après... Et après, je retourne là. Ça me paraît pas trop mal. De toute façon, je passe mon temps à me paumer dans ce jeu là. Ah, je peux juste pas en fait. Souvent on nous dit dans un sens ça marche pas, et après dans l'autre ils font ah mais regardez en fait, réparer le truc, ça peut marcher. Tout ça, tout ça. Mais là non. Alors, sauvegarde et entre dans le vaisseau. Oui, je n'appuie pas. Promis. Je serai sage. Par contre, c'est tellement bien qu'ils aient rajouté ça, quoi. Qu'on voit, qu'on sait pas exactement ce qu'on a raté, ni comment faut y accéder. Mais rien que le fait de voir à peu près où ça se trouve, ça par contre, c'est vraiment, c'est tellement bien pour le 100%, quoi. Est-ce que Metroid Prime 3, c'est le premier qu'on va faire en 100%? Grâce à ça. Alors le 2, c'est mort. Le 2, c'est jamais. Jamais je ferai le 100% du 2. Est-ce que je vais voir ce qu'il faut? Parce que j'ai l'impression que c'est là-haut. Et souvent quand il y a des trucs en haut... Ouais, voilà, il y a un truc. Et souvent quand il y a des trucs en haut comme ça, c'est souvent parce qu'il faut le... Ouais. Souvent c'est parce qu'il faut la boule d'araignée avant. Voilà, banco. Voilà, faut la boule araignée. Petit joueur. Ah non, mais le 2. Oh, le 2. Vraiment, hein. Oh, le mauvais souvenir, hein, le 2. Hein. Très, très mauvais souvenir, le 2. C'était vraiment pas drôle, hein. Ça aurait pu, hein. Ça ressemblait à un truc à moitié fondu, et souvent les trucs à moitié fondu, on leur tire dedans et c'est ok. Mais là, ça ne semble pas fonctionner. Quoi ici? Et plus rien, d'accord. Oh mais arrête! Je t'admire de l'avoir fini quand même, malgré la purge. De là à m'admirer, je crois pas, mais...
C'est bien, hein. Tu sais comment je suis, hein. C'est brisé, explosant les champs d'énergie et tout contact pour vous blesser. Ah là, regardez, y a un truc. On a juste le temps d'y aller, hein. Pugnace, exactement. Exactement. Alors, je suis là. Mais pourquoi il y a un truc là? D'accord. Oh, une réserve de missiles. Alors ça, je l'ai pas vu venir. Hein. Ça, je l'ai pas vu venir du tout. Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal, d'autant que j'ai trouvé les deux batteries, là. Donc on va pouvoir retourner sur le vaisseau. Je viens d'y aller. D'où ça charge? Je viens juste d'y aller, quoi. Oh, il y a un truc là-haut. Ouais. Système terminé, qu'on a des alimentations, c'est alimenté. Ah oui, d'accord, c'est qu'on avait remis les trucs au fur et à mesure. L'écoutille est ouverte. Il va rester dans sa position actuelle. Bon, a priori, je l'avais récupéré le truc là. Ok, bon bah on a quasiment tout récupéré, là on peut juste pas. Donc on va retourner au vaisseau. Les chargements. Ouais, je pense que la version... la version téléchargée sur Wii U du jeu doit quand même être vachement plus agréable, rien que pour les chargements en fait. Parce que là, les chargements sur CD... Hop. C'est long, hein. La Wii U est pas hyper rapide non plus. Non mais la version numérique, toi, là, le CD, enfin DVD, je l'entends. Alors déjà, je l'entends. Avec le casque, donc c'est quand même déjà qui fait du bordel. Et il gratte sans cesse. T'entends le CD sans cesse en fait. Y a pas un moment où j'entends pas le CD quoi. Donc il est sans arrêt en train de charger des trucs quoi. Donc je pense que la version téléchargée sur Wii U est quand même un poil mieux quoi. Hop. Et c'est ici que nous allons faire une pause. Donc je vous fais des bisous YouTube. À la prochaine.